Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne tolèreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi ne pouvant mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent.
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Une utopie dont on peut même se demander si elle est vraiment souhaitable, puisque
répète souvent dans des ouvrages de théologie ou de spiritualité contemporaine, que les chrétiens ne sont pas parfaits. C'est dire, chers frères et sœurs en Christ, que la déclaration qui conclut notre évangile, vous donc serez parfaits comme votre Père céleste est parfait, ne va pas de soi dans le monde contemporain. Comme pour l'expliquer, comme toute déclaration de Jésus qui dérange, on invente parfois une erreur de traduction. Le mot parfait est employé ici pour rendre l'adjectif grec teleios. Or, celui-ci ne signifierait plutôt achevé, accompli. Cela est vrai, mais au fait, quel est le sens étymologique de parfait ? Parfait vient du participe passé du verbe faire et du préfixe par qui signifie complètement. Être parfait, c'est être complètement fait, donc achevé, accompli. La question n'est donc pas un problème ou une erreur de traduction, mais la conception actuelle que nous avons de la perfection, qui ne correspond pas à la conception qui était celle de l'Évangile. En effet, si l'on vous demande une définition de parfait, vous direz probablement sans défaut. Et ce n'est pas totalement faux, mais c'est un peu imprécis, inexact. Car pour dire sans défaut, il existe un autre mot en français, un autre mot malheureusement qui lui aussi a un peu changé de sens, c'est le mot impeccable. En fait, impeccable, cela veut dire littéralement qui ne pêche pas, qui est incapable de pécher, ne peut pas pécher. Et dans la théologie catholique, il n'y a que deux personnes humaines qui sont impeccables, sans défaut au sens strict. C'est donc notre Seigneur Jésus-Christ, de par sa nature divine, et sa très sainte Mère, la bienheureuse Vierge Marie, de par une grâce provenant de manière anticipée de la passion de son Fils. Nous ne pouvons donc être impeccables. Mais le Christ et la Vierge Marie sont impeccables dès leur naissance et même dès leur conception. Alors que la perfection est le résultat d'un processus de perfectionnement. Et c'est en ce sens d'ailleurs que la perfection n'est pas de ce monde, parce que tant que nous sommes en vie, ce processus de perfectionnement continue. Et nous n'arrivons pas de notre vivant à la perfection, mais nous devons tendre vers cette perfection. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, il n'est pas encore parvenu à la perfection, mais que l'important est justement qu'il tend vers ce but. Et nous arriverons d'autant moins à la perfection de notre vivant que finalement, souvent, le temps du grand passage est un temps qui est capital dans ce perfectionnement. La lettre aux Hébreux dit à propos du Christ que c'est par sa passion qu'il fut conduit à sa perfection. Il dit ça de notre Seigneur Jésus-Christ qui était impeccable, qui n'avait pas fait de faute, et pourtant c'est par sa passion qu'il est parvenu à la perfection. Mais une question se pose aussi, c'est quelle est la différence entre la perfection et la sainteté. En effet, ce sont deux notions proches, et il ne vous aura pas échappé que si dans l'Évangile, Jésus déclare que vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait, dans la première lecture, le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, dit au peuple élu, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Et de fait, sainteté et perfection sont traitées de notions proches, mais je dirais que la différence est peut-être que justement, nous sommes déjà saints, mais nous sommes appelés à la perfection. Nous sommes déjà saints, cela peut paraître un peu une affirmation un peu provocante, mais je la tire de la deuxième lecture que nous avons lue, dans laquelle saint Paul nous dit que nous
nous sommes des sanctuaires de Dieu, que nous sommes saints. Et pourquoi nous sommes saints? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et en effet, chers frères et sœurs en Christ, nous avons reçu au baptême le don de l'Esprit Saint. Nous avons été conformés par notre baptême au Christ mort et ressuscité pour nous. Et en quelque sorte, nous avons reçu la sainteté comme un don. Mais nous n'avons pas en tiré orgueil, puisque c'est un don qui nous a été donné de manière gratuite. C'est plutôt une responsabilité qui nous est donnée. Responsabilité d'abord de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, puisque ce corps est le sanctuaire de Dieu, c'est le temple de l'Esprit Saint. À respecter aussi tous nos frères chrétiens, à considérer qu'eux aussi sont des sanctuaires de l'Esprit Saint et qu'il nous faut donc les respecter infiniment et les aimer. Et aussi la responsabilité en quelque sorte de porter cette sainteté qui nous est donnée à sa perfection. Dans le récit de la Genèse, Dieu déclare d'abord, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et dans le verset suivant, on ne parle plus que de l'image de Dieu et il n'y a plus de mention de la ressemblance. Et donc, Basile de Césarée et Grégoire de Nice ont interprété cela en disant qu'en fait, Dieu a créé l'homme à son image et laisse l'homme responsable de sa ressemblance. Je pense que c'est un peu comme ça que je définirais la différence entre sainteté et perfection. Dieu nous a créés à son image, saint, mais il nous laisse responsables en quelque sorte de lui ressembler pleinement en devenant parfait. Bien sûr, ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons devenir parfaits, c'est grâce à l'action de l'Esprit Saint qui est en nous, mais en coopérant par notre volonté à cette action de l'Esprit Saint. Mais au fait, de quelle perfection s'agit-il? On peut avoir en effet plusieurs images de la perfection. Alors, une image simple de la perfection, c'est la dignité auquel on ne fait zéro faute, c'est une dignité parfaite. Et puisqu'il suffit d'appliquer les règles d'orthographe, et voilà, on fait zéro faute. Et on peut avoir cette même image, un peu simple, très simple, pour la vie morale et spirituelle. On peut penser que la perfection, ça consiste à appliquer les commandements de la loi. Donc il y a 613 commandements de la loi. Si on applique parfaitement les 613 commandements à la lettre, on sera parfait. Et c'est ce que pensaient certains groupes à l'époque de Jésus, et notamment les Esséniens. Les Esséniens qui vivaient notamment à Qumran, qui formaient une communauté quasi monastique, et qui se définissaient eux-mêmes comme les parfaits. Mais par contre, ils ne montraient guère de mansuétude envers ceux qui manquaient à un des commandements, et ils les excluaient et les anathématiser sans ménagement. Ce n'est pas à cette perfection morale que nous appelle Jésus, mais à la perfection de l'amour. La perfection qu'elle nous appelle Jésus, c'est d'aimer, aimer sans attendre rien en retour, sans entrer dans le jeu habituel de l'amour humain, qui est celui de la réciprocité, où nous attendons autant d'être aimés, autant que nous aimons. Et cet amour surabondant, sans attendre en retour, c'est Jésus lui-même qui en a montré l'exemple. Il a montré l'exemple notamment lors de sa passion, où il a été maltraité et n'a pas répliqué. C'est la première partie, ce qui est écrit dans la première partie de notre évangile, où il ne peut pas riposter aux méchants. C'est Jésus qui en a montré l'exemple lors de sa passion, en ne ripostant pas à ceux qui l'ont arrêté, en se laissant gifler, outrager. Et il a même été plus loin, puisqu'il a été jusqu'à prier pour ceux qui le persécutaient sur la croix. Il a prié son Père pour que son Père le leur pardonne. Et c'est à cette perfection que nous sommes appelés,
Alors évidemment, cette perfection peut sembler très difficile à atteindre, et par nous-mêmes, chacun, nous y arriverons. Si nous y étions tout seuls, nous n'y arriverions pas. Mais cette perfection, nous sommes appelés à la vivre tous ensemble, de manière communautaire. En nous aimant les uns les autres, tous ensemble, nous pouvons arriver à parvenir à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude, comme dit l'apôtre saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons communier au corps et au sang du Christ. En recevant ce sacrement, demandons que nous devenions vraiment ce que nous recevions, c'est-à-dire que nous demandions que nous devenions le corps du Christ et que nous faisions un premier pas dans l'unité, vers la perfection. Messieurs, ensemble, nous refermons le mystère de l'homme. Je crois à la persécutés, les familles en difficulté, les isolés,
joie de l'accueil et du pardon l'emporte sur la haine, la vengeance, la rancune. Prions le Seigneur.
Thank you.
Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants.
chanter toutes tes merveilles.